Salut à tous, on se retrouve comme chaque dimanche pour le jump de la semaine et il s'agit cette fois-ci du Weekly Shonen Jump numéro 32. Je vous rappelle que vous pouvez me follow sur Twitter si vous voulez avoir droit à un bilan par jour de la première moitié de l'année de chaque manga du jump, lien dans la description comme toujours. Et bref, sur ce, moi je vous donne rendez-vous après l'intro. Bah comme d'habitude, on commence avec la partie en classement. La couverture revient donc à Yuna de la portion Yulagi qui profite également des premières pages couleurs du magazine afin de marquer les résultats du sondage de popularité de ses personnages, résultats que l'on découvrira ensemble dans la rubrique actualité. Les autres pages couleurs reviennent à Inomaru Sumo, la nouveauté Alice Totaio en profite également pour son deuxième chapitre, tout comme Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel, son 26e chapitre est d'ailleurs attendu pour le 20 août prochain. La récente série Tanaka Seiji n'est pas encore classée, elle intégrera le classement dans 5 petites semaines. Et enfin au niveau des absences, c'est cette fois-ci My Hero Academia qui est parti rejoindre Hunter x Hunter et World Trigger. On passe maintenant au classement qui est comme la semaine passée composé de 14 mangas, et cette fois-ci c'est Gintama qui regagne le sommaire à la pire position possible après avoir profité d'une page couleur. Il est devancé par Noah's Note qui regagne une place mais qui reste toujours dans une situation très délicate et malheureusement tout porte à croire que ça devrait logiquement être le prochain à sauter du magazine. Coup dur pour Actage qui retombe dans ses travers après avoir reculé de 3 rangs, ce qui a pour conséquence de lui faire goûter au trio infernal. Premier chapitre noté assez alarmant pour Invade You qui se retrouve à une bien triste 11ème position. Bon, inutile de se projeter pour le moment, mais il y a déjà de quoi être inquiet à son sujet. Jujutsu Kaisen reste fermement accroché à sa 10ème position, ce qui reste une prestation assez moyenne mais pas forcément mauvaise pour une si récente série. Il se trouve toujours dans la mauvaise partie du tableau mais il remonte tout de même de 3 rangs, pour se hisser au 9ème, donc AQ se doit quand même de faire un peu mieux de par son statut, donc à voir s'il poursuivra sa remontée la semaine prochaine. Un cran au-dessus, on retrouve Food Wars qui reprend un bon bol d'air frais avec pas moins de 5 places de remontée qui le hisse jusqu'à la 8ème. 7ème rang pour Momiji no Kisetsu qui se paye le luxe de gratter un pion et ainsi de faire encore mieux que la semaine passée pour son second classement. Bon, inutile de vous préciser qu'il s'agit d'une très belle performance même si le plus dur dans le jump reste bel et bien de confirmer encore et encore et semaine après semaine. De son côté, We Neverland recule de 3 rangs et délaisse donc par la même occasion le podium. Il devra donc se contenter de sa 6ème position, ma foi assez bonne tout de même. Cela faisait un petit moment que Dr. Stone ne perdait pas autant de terrain, soit 3 hectares pour être précis, mais il figure toujours dans le top 5. Black Clover bondit enfin de 2 positions pour se hisser au pied du podium, et on peut constater qu'il est imité par l'Hérodeur de la Nuit qui progresse également de 2 échelons pour ainsi s'emparer d'une jolie médaille de bronze. Toujours plus haut, on peut constater que les pirates de One Piece sont priés de laisser le trône à The Promised Neverland après sa superbe remontée de 6 places. Comme quoi, à chaque fois que TPN connaît un faux pas, il se rattrape dès la semaine suivante avec un top 1. Et on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 33, et on aura droit à une couverture assez particulière mais ma foi visiblement et apparemment bien sympathique, puisqu'elle fera honneur à plusieurs personnages charismatiques du jump, mais ce n'est pas tout, ces derniers seront dessinés par les auteurs même actuels du jump. A noter que One Piece profitera tout de même de la première page couleur du magazine, les autres pages couleurs reviendront à Dr. Stone afin de marquer les résultats de son premier sondage de popularité de ses personnages, le chapitre spécial de Koshikame en profitera aussi, tout comme le one-shot Burn the Witch du célèbre Tite Kubo notamment réputé pour son manga à succès Bleach. Le one-shot fera 62 pages et je vous rappelle qu'il sera basé sur le thème des sorcières et des dragons. Il y aura également la présence du one-shot Bleach to Boku de Tomohiro Hasegawa, l'auteur du manga Spring Weapon No. 1 qui avait été arrêté en début d'année, sans oublier que le troisième chapitre d'Alice Totaio fera 23 pages. Je vous rappelle également que c'est One Piece qui sera en couverture du jump numéro 34 avec des pages couleurs et une annonce importante à la clé. Sur ce, place à la rubrique actualité et je vais dans un premier temps vous compléter la preview du jump 33 puisque pas mal de bonnes choses ont été annoncées pour la semaine prochaine. Tout d'abord, il y aura une discussion de 6 pages entre Akira Toriyama et Takahiko Inoue. L'un est notamment connu pour le grandissime Dragon Ball ou encore Dr. Slump, tandis que l'autre est réputé pour des mangas comme Slam Dunk, Real et Vagabond, donc du beau monde. D'autres célèbres auteurs comme Masashi Kishimoto, Hirohiko Araki et bien d'autres encore seront également de la partie pour laisser des petits messages de félicitations pour les 50 ans du Jump. Des shikishi de mangas d'auteurs populaires seront également à gagner à cette occasion, sans oublier qu'il y aura la présence d'une rubrique recensant toutes les couvertures du Jump depuis ses débuts en 1968. Gintama a eu droit à un changement d'éditeur, ce dernier n'est autre que Takeru Isaka. Tomatoipu no Likopen de Koji Oishi fera son retour lundi sur le site Shonen Jump Plus. La série animée de Yuna de la portion Yuragi fera 12 épisodes et sera disponible chez Wakanim tous les vendredis à partir de 18h. Le premier épisode est déjà sorti d'ailleurs. L'OAD prévu dans l'édition limitée de son 12ème volume est prévu pour le 4 octobre prochain. Il adaptera les chapitres 22 du tome 3 et le 31ème du tome 4. J'en viens justement au résultat de son sondage de popularité qui a regroupé plus de 11 000 votes. On retrouve ainsi Yuna à la première position avec 2919 voix,
Shisaki apparaît à la seconde avec 2092 votes, et enfin c'est Sagiri qui vient compléter le podium avec 1433 votes. On a également de nouveaux visuels concernant les chara-designs de quelques personnages de l'anime de My Hero Academia, mais plus important, on va passer à la news qui vous intéresse sans doute le plus. Sachez que dans une récente interview pour le site Comic Natalie, Kuwaiori Koshi, donc l'auteur, a déclaré qu'il aimerait que son manga se compile en une trentaine de volumes au final, mais il a tout de même avoué que récemment il a réfléchi à combien il restait de chapitres pour conclure son histoire, et que finalement, tout faire en une trentaine de volumes relèverait de l'impossible. Concernant Kingdom, je vous informe tout simplement qu'au vu des retours que j'ai eus et vus de la Japan Expo, on peut d'ores et déjà s'avancer en parlant de succès puisque quasiment l'intégralité des stocks disponibles à la Japan Expo ont été liquidés. Le système d'abonnement semble également bien fonctionner, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer vos tomes à votre tour histoire de participer au succès de votre manga préféré, ou même si c'est pas votre manga préféré, voilà, c'est un manga que vous kiffez, donc allez l'acheter, puisque l'on peut encore faire bien mieux, c'est que le début. Puis pour conclure, on passe au Top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018 au Japon. On commence avec le 9e opus de The Promised Neverland qui recule de 14 rangs et apparaît ainsi au 32e. Il s'est encore une fois écoulé à environ 22 000 unités, de quoi permettre à son total de se rapprocher tout doucement de la barre des 400K. Le 89e tome de One Piece dégraisse de 2 rangs, mais il figure toujours dans le top 10. Il a ajouté quasiment 60K sur son compteur qui devrait passer la barre des 1,9 million d'exemplaires dans les semaines à venir. Encore une fois, il s'agit de chiffres astronomiques. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou non, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, puisque vous êtes nombreux en ce moment. Voilà, on se rapproche déjà de la part des 4000 abonnés, c'est un truc de fou, ça va vite en ce moment, donc merci à vous. N'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter pour les bilans du Jump, ou pour suivre tout simplement l'actualité de la chaîne, ou délirer avec moi. Et voilà, moi sur ce, je vous dis, on se reverra. Three dreams are made of these souls.